Et plop les gens, ici Zikino, et aujourd'hui on va découvrir un jeu qui s'appelle Astro Colony. Astro Colony, c'est un jeu qui se présente comme étant un peu à la croisée entre Factorio, Space Engineers et Minecraft. Donc Factorio pour l'aspect construction d'usines, automatisation. Space Engineers pour l'aspect exploration et Minecraft parce que on joue avec des voxels, alors pas des voxels aussi carrés et que dans Minecraft, mais on peut quand même changer un peu le terrain et ça sera plus par format de triangle, mais c'est pas le terrain est quand même dans ce genre de format et pas très continu quoi, comme vous le voyez peut-être déjà à l'écran. Les étages, c'est pas une pente douce, on monte d'un voxel à chaque fois. Donc ce jeu ne se joue pas à la manette. Il est en français. Il est possible d'y jouer en multijoueur. J'ai pas essayé, pour le moment en tout cas. Je sais que le développeur, c'est dans ses priorités. Enfin, les développeurs, c'est dans leur priorité d'améliorer la fluidité en multi. Au début, c'était un peu bloqué à deux joueurs. Et là, on n'est même pas un mois après la sortie. Il y a déjà eu plusieurs mises à jour. Et enfin, la sortie en Early Access. Il y a eu plusieurs mises à jour. Et le jeu. Et puis la fluidité, suivant les news, en tout cas, c'est grandement amélioré. Donc voilà, je crois que je l'ai dit. Je suis disponible sur Steam en EA à 19,50 €. Et on va tout de suite rentrer dans le jeu. Alors, moi, ce qui m'a attiré, évidemment, hein, c'est Factory Building, c'est Factorio-like, mais en 3D, c'est Satisfactory, mais peut-être en mieux, un peu plus jolie usine bien alignée que. Ouais, bon, bah, ça passe, ça va faire comme ça. Après, Satisfactory, j'avais joué qu'à la bêta. J'ai jamais pris le temps d'aller plus loin. Déjà là, on peut voir plein de choses, dont certaines que je n'ai pas encore forcément vues. Mais on va. Bref, on va pas, je ne vais pas forcément vous montrer ce qu'on voit là tout de suite. Vous allez bien le voir. Il y a des mods. Alors j'ai commencé par les tester. Ce qui était pas pratique vu que les touches en QWERTY, tout ça, c'était pas ouf. Mais en gros, ça permet d'avoir une course de voiture et une course de spacecraft, de vaisseau spatial, en solo. Donc il n'y a pas de bot, c'est juste contre la montre. Ça peut être intéressant si on a un peu de temps, que je sais plus trop quoi faire et que j'y pense. On pourrait voir les véhicules, quoique. On peut peut-être regarder le rover rapidement. Donc voilà, le rover. Et. Bah voilà. Après, on tombe. Tiens, d'ailleurs, les roues se sont décalées. Et si on tombe, je ne sais pas comment on remonte. Et je crois me souvenir qu'on peut tomber plus ou moins longtemps. J'ai pas forcément. Forcément rester pour voir s'il y avait un fond ou quoi, mais il y a ce sorte de rover, il y a des vaisseaux, et pour le moment je n'y ai pas accès, c'est trop loin. Alors on va commencer quand même par faire une nouvelle partie, donc on peut donner une graine. Alors je sais pas, non, je crois que la graine c'est forcément des numéros, on peut pas mettre de texte. Donc. Si vous avez un chiffre favori, pour cela, ou n'importe quel autre, vous pouvez générer une graine, utiliser une graine qui est déjà générée pour avoir la même carte, sachant qu'on est dans l'espace. Du coup, le générer procéduralement, c'est facile parce que le terrain est déconstruit. On va dire, c'est pas tout collé. Alors on peut gérer la consommation d'oxygène. J'ai l'impression que c'est. Enfin non, je sais pas trop. Activer le bot, je suppose que c'est le bot d'aide du tuto.
Le booster, je sais même pas. Et construction libre. Je suppose que ça débloque toutes les technologies. Ah bah c'est s'il fallait. Non, c'est juste le dernier qui nous dit. Débloque toutes les technologies et autorise toutes les constructions sans aucun coût. Attention, ça peut ruiner votre première expérience. Parce que, entre autres, on va avoir accès à tout et on va pas forcément savoir quoi faire dans quel ordre. Voilà, moi je laisse les options par défaut pour commencer. On va avoir une petite cinématique et on se retrouve après, je pense. Believing that one planet would be enough for us was wrong. Our colossal ambitions pushed us to leave our homes. Driven by the need of development and achievements, humanity seeks opportunities to discover new worlds and perhaps new dimensions. We are the first colonists, laying the foundation for future generations. It's your turn now. Show your survival skills, unlock technologies. And remember, the galaxy is yours to conquer. Petite cinématique introduction. Là, je peux plus bouger la caméra. C'était moi qui regardais un peu par la fenêtre. Et voilà notre zone de base. Donc là, je touche toujours à rien pour le moment. Le vaisseau démarre. Oui, c'est ça. About, c'est lui. Et donc, About nous dit « Bienvenue colonisateur, je suis About et j'ai été programmé pour vous guider dans votre apprentissage. Suivez mes conseils et commencez à construire votre propre astrocolonie. » Alors, je rappelle que je suis en clavier Beppo, que j'ai changé toutes les touches. Donc eux, ils comprennent bien que la touche E, ça me sert à avancer, ça coule. Sauf que dans le tuto, c'est pas forcément mis à jour. C'est pas si grave. Dans le, ici, là à gauche, dans les missions, on va dire, c'est mis à jour. Donc c'est l'essentiel. Donc utiliser QSD pour se déplacer, espace pour sauter, c'est la base. Et on voit qu'il y a quand même de la gravité. Alors, spoiler. J'allais dire, il n'y a rien en bas, mais en fait, il y a peut-être un. Il y a peut-être un trou noir ou je sais pas quoi, hyper loin, juste pour le. Pour dire, mais. Voilà, juste pour dire, j'ai envie de dire. Et du coup, on a un jetpack qui nous permet de ne pas retomber avec la gravité. Pour le moment, j'ai pas vu d'essence qui va avec le jetpack. C'est. C'est à l'infini. Du coup, c'est rare que je l'enlève. En général, je monte avec espace, descends avec. Enfin, la base. Nous explique. Ensuite, on nous parle du manuel. On nous dit surtout qu'on peut utiliser Tab pour déplacer la souris au lieu de que ça déplace l'écran, ce qui va me permettre de vous expliquer un petit peu l'interface. Donc en haut, on voit nos ressources, chose que j'oublie toujours de regarder parce que c'est bien trop planqué dans le coin et que autant ouvrir l'inventaire comme sur Factorio comme d'habitude. Mais ça peut être un rappel plus efficace quand on ne sait pas ce qu'on a vraiment besoin. Oh, on peut même, genre si je mets ça, organiser les emplacements en les faisant glisser. Genre si je prends l'omelette et que je la mets en premier. D'accord, j'ai l'omelette qui devient en premier. D'accord, ça peut être utile. Sauf que maintenant, elle est forcément en premier. C'est bon. Parce que bon, j'en suis pas là. Ce sont des constructions ressources représentant l'entrepôt et l'inventaire. Organiser les... En faisant glisser les dans une autre position. Oula. Oula là. C'est traduit un peu avec les pieds. Et salut les jeux du cygne. Comment ça va? Ça s'est bien passé la deuxième partie à Siberia 3. Enfin, deuxième partie de ce stream. J'avoue, j'ai un peu lâché au moment des radiations. Du coup, je disais, en haut, il y a les ressources.
En haut à droite, on voit le menu. Donc c'est un peu là que j'ai appris pas mal de touches. Genre, pour moi c'est B, pour vous ça sera sûrement A. Puisque j'ai un peu tout retouché. Qui permet de ne plus avoir de rien en main. C'est une touche très importante qui n'est pas dans le tuto, c'est pour ça que je préfère la dire. On voit d'ailleurs le jetpack qui s'active en jaune quand il est activé et qui... Voilà, en fonction de s'il est activé ou pas. Après, les menus de construction, etc., etc. Il y a une carte. Il y a une carte, d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce qu'on peut voir? Non, il n'y a rien au fond, quoi. Rien d'accessible. Et la carte, on s'en rend pas compte, mais c'est plutôt grand. J'ai jamais été jusqu'à, même jusque là où il y a ma souris. Désolé, j'ai toussé. C'était quand même la deuxième partie, il n'y avait plus personne. Ouais, c'est possible. Désolé, du coup. Et on voit sur la carte que la station, je suis à 0,01 light-year, donc à 0,01 année-lumière du centre de la colonie. C'est là où il y a le petit drapeau. Et sinon, il y a plein de gros corps célestes, voilà, j'allais dire de grosses planètes, mais de gros corps célestes qui volent, qui sont plutôt loin. J'ai essayé de viser le plus proche, qui était même, je crois, moins loin que deux années-lumière dans ma partie, et ça, j'ai mis du temps et j'ai eu l'impression que j'étais même pas au milieu, du coup je suis rentré. Du coup ça a l'air d'être des choses plutôt loin, et potentiellement on va découvrir ça ensemble dans ma partie. Apparemment, on voit les ressources qui sont dessus, le type de terrain, tout ça. Not a Trap, c'est pas du tout une référence à Star Wars. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. Dans l'espace, tout ça. Cet astro, il a l'air d'avoir du contenu, même si la trad, j'avoue, pique un peu. Bah, la trad est plutôt bonne, en vrai. Mais il y a des endroits où, ouais, c'est un peu... Faut s'accrocher. C'est pas si grave. Donc j'en étais là-haut. Là, on voit l'équipement qu'on a en main. Les missions. Le Abbot qu'on peut lui dire va dormir ou réveille-toi. Parce que quand il nous dit la même mission, mais que on avance, on s'en fout. Le petit drapeau, avant que j'oublie, là, qui était au centre de la carte. Je vais pas forcément vous faire tous les menus. Il y a juste. Non, pas astronaute, inventaire. Il y a un mode photo, non, c'était le mode construction aussi, où on peut voir à peu près tout ce qu'il y a. Donc il y a beaucoup de planchers, pas mal de multiplanes. J'ai l'impression que c'est, j'ai essayé juste lui, et c'est juste qu'il prenait plusieurs cases, des choses qui montent, des fondations, des murs, plein de sortes de murs, plein de machines, des machines plus orientées utilitaires, ainsi que des câbles et des conduites d'eau. Des choses qui permettent de miner de l'agriculture, donc ça j'en ai pas encore. Ce qui permet d'automatiser les convoyeurs, quoi. Ah, c'est pour ça les escaliers sont là dès le début. Je me disais, je me souvenais pas de les avoir débloqués. Des blocs de logistique, c'est un peu les répartiteurs, les filtres, les bloqueurs. J'ai surtout utilisé le poussoir pour le moment, les autres j'ai pas forcément eu le temps de comprendre, j'ai pas pris 50 ans non plus encore dessus, vu que je suis encore dans une base simple. Donc j'ai d'autres choses qui... Avant de me complexifier avec ce genre de choses, je préférais découvrir un peu plus, donc je vais pas forcément pouvoir vous expliquer pour le moment en tout cas. Et quelques gadgets, donc ça, écoutille, porte, peut-être des choses, peut-être des décorations, voilà. Et en bas à gauche, on voit que j'ai déjà la bonbonne d'oxygène qui est à moitié vide, c'est le truc à l'intérieur. Une fois qu'elle est vidée, c'est les ronds autour qui vont disparaître, et après, on meurt. Donc ça m'est arrivé au tuto, parce que j'avais arrêté au milieu, parce que les touches, ça m'énervait. Et en reprenant la partie, j'avais oublié comment regagner de l'oxygène. Et ici, on a la barre de raccourci. Du coup, avec F1, F2, on peut aller sur les différentes pages. Les six premières pages sont
pré-rempli la dernière, non. Mais on peut facilement faire un glisser-déposer quand on a le, quand on a ce menu-là. On peut faire un glisser-déposer de ça ici. Enfin, je suppose qu'il faut que ce soit débloqué. Voilà pour la base de l'interface. Il nous dit d'aller voir le manuel. Donc le manuel, il y a encore plein d'explications que j'ai pas forcément tout expliqué. Et c'est là où... c'est ça qui manquait, je trouve, un petit peu au déplacement dans Satisfactory. C'est que là, on est en l'air, on vole, et du coup, on peut bien aligner plus facilement les choses. Dans Satisfactory, des fois, vu qu'on est tout le temps au sol, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, on peut... Bref, il y a plein de choses que je peux vous laisser découvrir aussi. Bah, même ça, justement, ça fait partie de la... de ce que je vais vous montrer tout à l'heure, donc on va découvrir ensemble. Pour agrandir votre station spatiale, vous aurez besoin de récupérer quelques ressources basiques. Regardez autour de vous, autour de la station, pour trouver des astéroïdes qui flottent. Vous avez besoin d'extraire du fer et du cuivre. Alors, donc là il y a de l'or, là il y a du cuivre, là il y a du carbone, celui-ci a 3 de fer. C'est dommage, on en voulait 4. Allez, du gameplay, du gameplay. Ou la fusée comme sur Factory. T'as loupé, il y a eu un transport presque fusée. Il y a une... Comment ça s'appelle? Un wagon presque, plutôt un métro de l'espace qui est arrivé, qui nous a déposé sur ce petit caillou. Là, il doit y avoir du fer. Et donc ce que je vous disais, c'est que là, j'ai le marteau, la pioche en main, et par défaut, je ne savais pas comment l'enlever. Et c'est surtout gênant avec l'outil de construction, parce que du coup, dès que vous faites clic gauche, vous posez des choses. Donc je le répète, pour moi c'était important de le savoir, c'est B pour vider et après alterner entre rien et cet outil qui permet de faire des améliorations. Il est temps de transformer les matériaux en quelque chose de plus sophistiqué. Ouvrez votre inventaire et quoi ? Et activer les recettes, vous verrez comment les nouveaux objets sont automatiquement fabriqués. Donc là, on a les recettes. Et on peut dire, je veux par exemple que tu me fasses 20 lingots de cuivre, de fer et de cuivre. Et après, on les active. Donc là, avec ce qu'on a dans l'inventaire, en passif, on peut être en train de miner toujours. Et les... Bon, alors, il n'y a pas forcément d'indication du coup. Je me suis un peu trompé, mais même si on fait autre chose, les constructions à la main continuent. De toute façon, c'est pas perdu. On récupère aussi des sciences de base, je sais pas si vous avez aperçu. Hop là, qu'est-ce qu'il va nous vouloir? Vérifier le compteur d'oxygène, voilà, on voit qu'il a bien baissé. Ah si, c'est là, artisanat à la main, il est activé. On voit les choses qu'on a construites apparaître, je crois, par-dessus. Non. Passons maintenant aux besoins fondamentaux de respirer, voilà, oui. Voilà, on devient mort, du coup il faut de la glace dans un générateur à oxygène. Oui. Et du coup, pour ça il nous faut des sciences. On va dans le... Donc ça c'est le menu T, je sais même pas où il est. Si, c'est celui-là, la technologie, et on va bloquer l'oxygène. Et il faut éviter de mourir par asphyxie, du coup on va prendre le premier, et là on va cliquer, et c'est là, vous voyez, si j'ai pas la touche, bah j'ai ressources, bah j'en construis un deuxième, un troisième, et je sais pas quoi en faire, et c'est A du coup, là, tout en haut à gauche. Vous pouvez utiliser votre nouvel appareil pour faire plein d'oxygène, mais il faut de la glace. Donc là, quand on ouvre ça, on voit en fait notre inventaire, et quand on clique là, on voit les recettes qui sont disponibles. Ça, c'est assez présent sur toutes les machines, on peut les mettre on, off. Et il va me falloir un peu de glace. Là, il n'y en a que 2. Oui, 8 en a plus, 8 a que de la glace, t'en as 6. J'aime l'objectif, mort par asphyxie, oui, oui, oui. Oui, il faut éviter. Mais c'est un objectif rouge. Je sais pas si ça fait un game over du coup. Et donc là, on va sur cette machine et à chaque fois que je clique, là, il y a le...
vous montre à droite, ça consomme deux de cubes qui sont pas forcément dans l'inventaire de la machine, mais qui peuvent être dans mon inventaire. Et ça fait augmenter en bas à gauche la jauge d'oxygène. Non, ça fait un par un. Voilà, et puis après, il commence à nous parler de l'électricité, tout ça. Mais c'est plutôt long au début de fabriquer sa base. Là, on a vu les principes de base de base. On voit qu'il y a des choses là un peu loin. Si on peut peut-être aller sur celui-là. Celui-ci m'a l'air proche. Celui là-haut sera beaucoup plus grand et sûrement beaucoup plus loin. Et là, par exemple, ben, c'est plutôt de l'herbe. Et il y a des dépôts de fer qu'on va pouvoir miner. Donc là, il y en a 26, 33, 29. Donc c'est des beaucoup plus gros dépôts que ce qu'il y a dans les astéroïdes. Puisque là, l'astéroïde, il a 7 et 2. Ça doit être un des plus gros astéroïdes. J'ai jamais vu plus de 7 d'une ressource spécifique dans un astéroïde. Et en général, l'autre ressource n'est pas très haute dans ces cas-là. Et 2. Et des fois, ils ont 2 ressources et rarement plus. Donc ça, c'était une mini plateforme, un gros astéroïde pas trop loin, sûrement le plus proche d'ailleurs, et voilà. Donc, on va charger une partie, et moi c'est la partie que j'ai appelée découverte. Et donc voici ma base actuelle qui est un peu plus grande, c'est la même taille quasiment, j'ai récemment ajouté ce petit poste d'observation pour faire une jolie arrivée. Il y a toujours Abbott qui est là. On va revenir. Ah! Je pense... Ah non, non, c'est... D'accord. Donc, c'est pas buggé, c'est... même si c'est ce que j'allais dire. En gros, j'ai ces sortes de machines qui sont des attrapes astéroïdes automatisées, donc c'est déjà la version 2. Qui traitent un astéroïde et peuvent déjà en pré-attirer un deuxième, donc c'est celui-là qui est pré-attiré. Et en fait, ça va m'éviter de miner moi-même. Donc, en gros, l'astéroïde, il vient là-dedans, on va le voir juste là. Il vient là, et il est miné par les 4 petits lasers à l'intérieur. Voilà. Le gros astéroïde, et pendant ce temps, la machine attire le prochain astéroïde. Et ça continue. Les ressources partent sur un tapis roulant, voilà, et elles vont dans ma fonderie, qui pour le moment est la plus basique possible. L'air d'avoir des petits trucs de quality of life, c'est sympathique. Il y en a et il y a des trucs qui manquent un petit peu aussi, ou qui sont pas évidents avec un clavier Beppo, c'est aussi ça. C'est que j'ai un clavier Beppo en deux parties, du coup... accéder à la partie, à la moitié droite de mon clavier, c'est plus compliqué. Par exemple. Mais oui, en général, le jeu est plutôt sympa. C'est surtout, je me perds sur les touches pour le moment. C'est surtout ça mon gros souci. Donc voici la base, comme je disais. Oui, pour un FTS, le clavier séparé, c'est plus compliqué. D'ailleurs, on est même pas obligé d'utiliser le jetpack, je l'avais pas dit, on peut sauter indéfiniment. Les machines qui ont qui sont comme ça en rouge, c'est les machines que j'ai éteintes avec ce bouton-là. Parce que j'ai pas forcément besoin qu'elles tournent, du coup ça économise l'énergie. Parce que même si elles n'ont pas leurs ressources, de ce que j'ai vu, elles consomment de l'énergie. Et pour le moment, mon grand souci, c'est ça, c'est les générateurs électriques. Et mon gros souci, comme vous voyez, c'est que j'alimente encore les générateurs électriques à la main. Si j'ai à moins le faire, c'est mieux. on peut regarder ce qu'il y a dedans. On voit qu'il y a... Bon, eux, ils n'ont qu'une seule recette. On les laisse en illimité sur leur recette, parce que quand ils ont fait, 10 d'énergie, on ne veut pas qu'ils s'arrêtent. On veut qu'ils continuent. Et oui, en parlant de quality of life, on peut directement, on peut peut-être faire avec cette machine, là je peux rajouter directement un de la ressource, donc vous voyez c'est passé de 65 à 66, 66 à 67, et ça me le diminue à droite, ou directement de 5 en 5, ou on peut dire, tout ce que tu peux, mets-le dans la machine.
Donc oui, il y a des quality of life qui sont plutôt sympas. Pareil, ces machines-là, quand c'était encore la version manuelle, ben, au début, je faisais P pour rentrer dedans, et puis après, je cliquais sur le bouton pour attirer les astéroïdes, et après, tu vises. Ben, par exemple, non, je veux pas celui-là. Non, je veux pas celui-là, en plus, il est nul, pour de vrai. Et je veux celui-là. Et du coup, il fallait rentrer, cliquer là et tout. Jusqu'à ce que je lise ici sur la droite. D'ailleurs, ça rajoute des options quand je fais tab. Et en fait, en appuyant sur... alors moi, c'est la touche virgule, donc c'est le R chez vous, normalement, je crois. Ou alors, je l'ai totalement mis ailleurs. Directement, il y a une touche pour rentrer dans ce mode-là. Directement. Bon, bah, là, il a choisi tout seul. Donc il y a des quality of life qui sont plutôt intéressantes. Il y a bot qui est là. Bah, je sais pas trop quoi vous dire en fait maintenant. Je me suis... Donc si on va suivre les tapis. Donc j'ai 4 de ces machines qui ramènent des astéroïdes dans, avec les tapis roulants jusqu'ici. Donc là c'est mon seul bloc de gestion. C'est un bloc qui est resté en tout cas. C'est un bloc poussoir et en gros tous les carbones, je veux pas qu'ils rentrent dans la machine parce que cette machine elle a une recette qui consomme du carbone, du minerai de carbone et du coup elle stockait tout le carbone. Alors que par exemple la glace elle s'en fout, du coup elle le fait traverser. Et moi ce que je voulais c'était, bah, j'avais besoin du carbone pour alimenter mes génératrices, du coup, bah, voilà, il y a un de carbone, et bah, il faut qu'il fasse le tour pour pas qu'il soit bloqué dans la machine. Et tout va dans ce petit coffre qui se remplit plutôt bien. Et du coup, on y voit tous les minerais récoltés sur les astéroïdes, donc le carbone, le cube de glace, et les minerais qui ont déjà été transformés par cette fonderie. Voilà, je dis artisan, mais non, c'est la fonderie. Qui transforme du coup les différents minéraux en barre de fer, barre de cuivre, barre d'or, et là il y a une barre de fer, du coup c'est plutôt des lingots. C'est un peu dommage pour la traduction, mais c'est plutôt des lingots. Et du coup, si jamais moi j'ai besoin de barre de fer, bah je viens ici, j'ai ce qu'il faut dans mon inventaire et je clique sur je veux en mettre 5 ou max 2. Comme ça, je trouve que c'est plus simple, en tout cas pour le moment. Donc ici, en gros, c'est mon coffre infini. C'est là où toutes les ressources arrivent pour ma base. Pour le moment, en tout cas, et pour le moment, il n'y a rien qui en ressort. Théoriquement, ce serait bien que... je fasse en sorte que le carbone aille jusqu'à ces 3 machines au minimum et après alimenter le reste. Ici c'est une petite nouveauté que j'ai. C'est là où le jeu a des quality of life d'un côté, mais de l'autre il est pas hyper sympa. C'est que là j'ai des machines qui font des robots. Enfin, un assembleur de robots. Donc là j'ai 10 robots, donc là il y en a un qui s'est échappé, il va rejoindre son collègue le numéro 2 parce que bien entendu il se déplace sur un espace solide. Et salut Caneton, ça va toujours bien depuis tout à l'heure. Bref, petit bug mais on s'en fout, c'est surtout qu'ils n'ont pas grand chose à faire et là tout de suite je sais pas forcément quoi leur faire faire. Le jeu m'a dit que, regardez les technologies, c'était à quel endroit? Fonte, construction, c'était à quel endroit? C'était manufacture, non, c'était la robotique. Et le jeu, vous voyez derrière la robotique, il n'y a rien, la robotique ne débloque rien. Par contre, ils m'ont dit que pour la cantine par exemple, qui est obligatoirement alimentée à la main, c'est les robots qui peuvent l'alimenter. Et pour les machines du coup où il n'y a pas de tapis d'entrée,
ça peut être les robots qui les alimentent. Si j'ai bien tout compris. Ça marche, ça marche. Donc la technologie, tant que j'y suis, sur ma partie, bah, forcément j'ai fait les quelques toutes premières. Je suis arrêté pour le moment ici. D'ailleurs, on voit bien en vert, c'est ce qui est fait, en bleu, c'est ce que je peux faire, et en gris, c'est qu'il doit me manquer des ressources. Donc, il y a plusieurs sciences, d'ailleurs, j'en avais pas parlé jusque-là. Il y a la science de base qu'on récupère en minant les astéroïdes. Et en vrai, j'ai jamais fait gaffe à ça. Et il y a cette science de laboratoire où j'ai besoin de ce labo. Hop là. D'ailleurs, je peux le mettre en pause. Regardez, il consomme 5. Et là, il consomme rien. Et du coup, l'efficacité globale de l'électricité a augmenté. Pendant que j'ai déjà plus de charbon. Elle a augmenté dans toute la base, on va dire. Je remets du charbon. Parce que j'étais pas aussi bas normalement en efficacité. Et c'est gênant si la factory ne grandit pas d'elle-même. Et du coup, pour avoir ces sciences de l'ingénieur, il va falloir mettre des barres de fer et des barres de cuivre. Donc pour le moment, pareil, je les mets à la main. Il y a tout qui est... Ouais. En automatisé, il n'y a vraiment que récupérer les astéroïdes, les emmener à la... emmener les minerais à la fonderie, et stocker tout ça dans un coffre. Il n'y a vraiment que ça qui est automatisé dans ma base, sinon je remplis tout à la main le reste. Pour le moment, c'est la salle des esclaves. Mais non, c'est juste des gentils scientifiques, mais on les voit pas, c'est un peu... On est tout seul en fait. Après, là, j'ai mis cette machine devant parce que j'ai plus de place. Il faut que je l'agrandisse. Mais ouais, c'est un peu mal tourné du coup, c'est dommage. Automatiser tout ça. Mais pour le moment, ma fibre de feignant me permet de juste venir dans ce coffre et avoir tout ce que j'ai besoin. D'ailleurs, alors ça c'est une machine de construction. Hop. Et récemment, ça doit être le dernier truc que j'ai construit, c'est ce coffre, ce qui est l'entrepôt. Ah, attends, et celui-là il s'appelle comment? Il s'appelle conteneur de stockage, donc celui-là il faut venir le chercher où il peut stocker et ressortir des choses. Et celui-ci, vous voyez, il a sur chaque face deux entrées, une sortie. On peut inverser les entrées et les sorties. Voilà, comme ça. Et c'est sur chaque face, donc là bon il est un peu bloqué. Mais tout ce qui est dedans. D'ailleurs, ça se voit, c'est plutôt sympathique. Je peux enlever les choses et les remettre. Tout ce qui est dedans peut être utilisé pour construire la base. Donc si j'ai besoin de fil de cuivre, j'en ai pas dans mon inventaire. Là, je remplis à fond. Je sais pas s'il y a une capacité maximale, d'ailleurs. J'ai pas eu l'impression. Mais peut-être qu'il y a un nombre de stacks qui est élevé, genre à 999, il s'arrête, ou à quelque chose comme ça. D'ailleurs, on n'est pas loin de 100, du coup je vais produire une vingtaine à la main, même si à la main c'est pas forcément le plus efficace. On va essayer d'atteindre 100 pour voir si ça me répartit sur deux colonnes. Voilà, par exemple, ce contrôle clic, des fois j'ai du mal. Contrôle clic fait comme alt clic, comme maj clic, et des fois il veut bien l'envoyer, donc voilà, il y a 105. Donc je sais pas où est la limite de capacité pour le moment. Ah oui, bah oui, attendez, d'abord je vous fais faire le tour et après j'agrandirai. Une seconde. Et donc ce coffre-là du coup nous permet de construire là. Donc forcément j'ai construit le pire truc. J'ai construit les fils. Comment on fait pour arrêter? On fait ça. Voilà, plus besoin de construire de fil, mais si je veux, si je fais F1 et 3, voilà, si je veux construire des fils,
Et ben, ça les a construits, même si j'en avais pas dans mon inventaire. Et ça les a pris de ce coffre-là. Dans les trucs un peu chelous, toujours. Jamais content, ces viewers, c'est normal. Dans les trucs un peu bizarres, c'est qu'au début, on peut pas supprimer les objets. Mince, là, j'ai supprimé un truc que je voulais pas forcément. Voilà, donc là, on peut pas supprimer. Il fait étrange, on a posé un truc en trou, on peut pas le supprimer et tout. Donc c'est une technologie qui nous permet de ramasser les objets, voilà. Et une fois qu'on les a ramassés, on peut avoir cette machine qui, je crois, et c'était une deuxième technologie, qui permet de recycler les objets. Donc par exemple, dans mon inventaire de recyclage, j'ai trois câbles électriques. Et si je les mets là, eh ben ça va me créer des fils de cuivre. J'ai l'impression qu'une fois que je l'ai mis, je peux plus le retirer. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Ouais, c'est bon, tant pis. C'est pas grave. Et du coup, on peut recycler tout ce qu'on a, sauf qu'évidemment, les comment ça s'appelle? On perturbe sur le chat. Si on recycle quelque chose, on regagne pas forcément toutes les ressources. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et pendant que ça parle de crash de streamer sur le chat, et oui, je pense y réchapper parce que j'utilise bel et bien OBS, mais pas Windows. Tu remarqueras que autour du titre, j'ai mis des petits manchots parce que je joue sous Linux. Est-ce qu'on peut remettre... Non, ça c'est du sol noir, c'est pas exactement le même sol. Je sais pas comment on met ce sol-là. Est-ce que je peux... Si c'était le même sol? Non, c'est pas exactement le même sol. Mais voilà, au moins j'ai reposé tout ce que j'avais dans mon inventaire. Ouais, meilleure méthode pour éviter de crash sous Windows, éviter Windows. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Dans les trucs encore un petit peu avancés, le truc qu'on a visité là, le mini astéroïde, et ben j'en avais carrément capturé un. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Il a été miné, alors pas entièrement, mais là je suis un peu embêté parce que je peux. Donc on va voir la partie voxel, je peux miner comme ça. Je peux re-remplir ce que j'ai miné, évidemment. Mais j'ai pas l'impression que je puisse remplir sur le bord. Et du coup, vu que la mineuse, je l'ai mis une fois ici, elle a miné tout ça, et une fois là, elle a miné tout ça. Je sais pas trop comment je peux miner le reste, à part à la main. Donc voilà. Et pendant qu'on est à une barrière. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, ma jauge d'oxygène, elle est. Enfin, depuis le début qu'on est dans ma partie, la jauge d'oxygène, en fait, est au maximum. Et ça, c'est grâce à cette barrière d'oxygène qui consomme un peu d'énergie. Et je ne sais pas comment, mais elle réussit à récupérer les réservoirs d'oxygène qui ont été produits là-dedans. Donc. C'est par le champ électrique. Elle réussit à récupérer les trucs d'oxygène. C'est un peu étrange. J'aurais pensé qu'elle a un inventaire et qu'il fallait la remplir ou quoi, mais non. Et du coup, ça me met ce dôme-là. Donc, qui monte un petit peu quand même. Pas forcément énorme. Qui va pas mal sur les bords. Et par contre, qui descend pas beaucoup en dessous de la balise. Alors le Freemer il se la pète avec son boubou dodo. Exactement. Bah c'est. Je préfère à montrer ce qui. Quand même les choses qui sont intéressantes qui peuvent être embêtantes au début. Par exemple, miner au début, on a l'impression de faire que ça. Après, on a la machine. Mais on a l'impression d'être tout le temps dans une machine à tirer le prochain astéroïde.
Pareil, on a l'impression de régulièrement aller récupérer de l'oxygène. Là, le seul truc que j'ai l'impression de faire régulièrement, c'est alimenter les centrales à charbon. Mais c'est parce que, et je le sais, j'ai pas encore. Là, c'est dans le mauvais sens. Je les ai pas encore automatisés vraiment. Donc, ça, c'est ma faute. Et c'est un problème de place, justement. En tout cas, maintenant. Et comme distribution, pour le moment, je suis sur PopOS. Donc, c'est un dérivé d'Ubuntu. Donc, voilà pour tout l'état des lieux, j'ai envie de dire. Il y a l'eau aussi. L'eau qui monte le niveau d'eau. Donc, le meilleur moyen de savoir combien on a d'eau, c'est de faire ça. Non, en fait, quand on clique, on peut voir qu'on a... Sur n'importe quel bâtiment qui est relié au niveau d'eau, on voit combien il y en a de stocké. En gros, voilà. Donc là, il y a une production d'hydrogène, il y a quelques autres petits détails. Et je pense que c'est bon. On va pouvoir réactiver le bot qui, lui, me dit que je peux... que je suis prêt à aller découvrir des planètes. D'utiliser la carte et on peut se déplacer avec les propulseurs électriques. Et pourquoi il me dit ça? Il me dit ça parce que j'ai fait le générateur d'hydrogène, donc j'ai de l'hydrogène. Et sauf qu'il me parle de propulseurs électriques qui sont une technologie que je n'ai pas encore. Du coup, des fois le tuto c'est un peu gênant à ce niveau-là. Faut savoir que je sais plus si je l'ai dit, mais le bot, du coup, il nous explique plein de choses au début, et puis après, c'est en fonction de ce qu'on débloque dans le comme technologie qui va nous expliquer. Maintenant, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, et on a les nouvelles petites missions qui apparaissent. Mais des fois, j'ai l'impression que certaines technologies étaient rassemblées et maintenant elles sont coupées. Je sais pas, mais c'est un peu l'impression que ça donne. Et du coup, on est un peu... ouais, mais les propulseurs électriques, j'en ai pas. Comment je fais? Donc, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai cherché un bout de temps. Je pensais que le jeu était totalement bugué. Mais non, il suffisait juste de débloquer la prochaine technologie. Donc, voilà. Après, c'est... Pour le moment, les critiques que j'ai données, hein, j'espère que ça s'est compris, c'est des critiques assez... faible, à mon sens, c'est des points d'amélioration, mais c'est y a rien de dramatique. Mais voilà, y a rien de dramatique. C'est des choses qui peuvent être améliorées plus ou moins facilement en faisant une passe. Surtout que là, on en est au début de l'early access. Le jeu est sorti début novembre 2022 en Early Access et là je suis mi-fin novembre, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Et... Mince. C'est normal qu'il y ait ce genre de choses. C'est juste je préfère prévenir parce que la première fois ça fait tout drôle. Vous voyez, la première, j'avais mis ma machine ici, elle a bien miné. J'avais mis ma machine par là, elle a bien miné. Mais là, je pense que je vais abandonner tout ça. Donc je vais récupérer tout ce que je peux. Pareil, quand je détruis pour le moment, j'ai l'impression de devoir tout détruire un à la fois. J'ai pas de... La destruction, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire un drag and drop. Et donc ceci, je voulais aussi le montrer. À l'origine, il n'était pas comme ça. Et par exemple, j'ai visé en fait ce truc-là. Comme ça. Avec ça. Il me semble pas qu'il avait cette forme-là directement. Mais voilà. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y avait... ici, il y avait des tapis roulants que je peux orienter dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est pratique, même si au final, j'ai appris que je pouvais mettre des tapis roulants dans le vide et que ça fonctionnait tout aussi bien. Avec contrôle, tu peux pas faire... Bah,
tu fais déjà contrôle clic droit pour sélectionner ce que tu as enlevé, mais en fait c'est au moment où tu relâches le curseur. Donc voilà, ils ont mis à jour l'équilibrage des techs, mais pas le tuto quoi. Dommage, mais pas dramatique en effet. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui, du coup, par contre, les tutos, là, les missions, je peux peut-être essayer de débloquer la chimie, par exemple. Non, il me manque ça. Donc je vais là, je dis active-toi et je veux... Voilà, je veux que tu m'en fasses quelques-uns, donc j'ai plus d'eau. Et potentiellement, ça fera un tuto. Et le bot, en fait, je vais voir qu'il y a deux missions. Sur le bot, je vais pouvoir alterner l'affichage de la mission X et Y. Et du coup, son texte aussi, il va s'alterner. Et là, le jeu, par contre, le gère très bien. Donc, c'est pas du tout dramatique. T'as vu des lives récents où le streamer pouvait démanteler en masse? Bah, c'est peut-être aussi une technologie, comme je l'ai dit, le... Ah, il est là le robot. Contrôle clic droit, au début on l'a pas. C'est une technologie, pareil le recyclage, c'est une deuxième technologie. Donc peut-être que démanteler en masse, c'est une technologie de plus avancée. Ça m'étonnerait pas beaucoup. Voilà, moi j'ai 5-6 heures de jeu, je crois, pour le moment, donc ça m'étonnerait pas beaucoup. Oui, il veut qu'on construise des propulseurs, donc... Non, cette touche-là, on construit ça, on va même construire le poste d'arrimage. Enfin, préparer, et... Alors ça, c'est... En tout cas, pour la phase d'exploration, c'est toujours un peu bizarre, on sait jamais dans quel menu on va aller, mais ici... Et il faut de l'hydrogène pour produire ça. Donc je prends l'hydrogène. Et je sais pas, oui. On va dire que c'est ici l'arrière. Aucune idée. Construire 2. Et revenir F1. 3. Et j'ai l'impression que tout est alimenté, tout avance. Sauf que construire la carte et commencer à vous déplacer. Donc là on avance, mais on n'avance pas forcément vers une direction. Moi j'aimerais bien aller... Ouais, c'est lui le plus proche, donc j'aimerais bien aller sur lui. Tant qu'à faire. Et bah c'est dans le mauvais sens, donc on va retirer tout ça. Là pareil, j'enlève des sols, mais je fais pas gaffe quoi, je fais pas attention et ça enlève le sol, c'est dommage. Il manque une vraie salle de pilotage, bah potentiellement plus tard quoi. Peut-être que la vidéo de présentation, elle pourrait peut-être s'arrêter là. J'aurais bien aimé aller jusqu'à la planète. Peut-être que je fais une deuxième vidéo là-dessus, je sais pas trop. Mais les technologies, du coup au début c'est vraiment faire de l'électricité, gérer l'eau, faire du fil à la main, faire des plaques à la main. Destruction, il est là, le recyclage, il est après, tu vois, c'est en deux technologies. Transport de l'eau, c'est pas la même chose que la production de l'eau, donc produire l'eau, la mettre dans les cellules, mais pas la déplacer par des tuyaux au début, etc. etc. Et à la fin, il y a quand même pas mal de technologies, et comme vous voyez, il y a pas mal de sciences qu'on peut d'ailleurs mettre là-haut si on préfère. Moi, je... Pour le moment, je vois pas trop l'utilité, donc je le laisse là, mais c'est peut-être... Quand on sait ce qu'on fait, je pense que c'est mieux là-haut, tant que je découvre beaucoup, c'est pas grave. Et donc, comme vous le voyez, la recherche de haut niveau qui intéresse tout le monde, c'est le berger. Pouvoir faire des moutons, de la laine, voilà. C'est le truc le plus haut niveau que tout le monde veut dans ce jeu.
Bon, j'exagère peut-être. Il y a des trous noirs dans les vidéos de présentation, là, les teasers, les trailers. On voit que notre base peut aller dans un trou noir, se téléporter dans des Stargates, faire l'aller-retour, ce genre de choses. Et l'énergie nucléaire, la fusion nucléaire, au lieu de la fission, donc ça c'est pas ce qu'on a encore aujourd'hui, c'est encore en état de projet. Et on n'a pas ça commercialement en tout cas aujourd'hui. Il y a Expert Miner là, donc avec des foreuses géantes, etc. Il y a plein de choses. Et l'élevage, la nourriture, enfin, oui, que ce soit plante ou animal, je ne vois pas l'intérêt pour le moment. Je suppose que, je sais pas, on aura besoin de brouiller pour faire des matériaux avancés, je sais pas. Je sais pas. Et pareil, les robots, pour le moment, bah, je les ai pas trop compris. Mais potentiellement, dans le futur, ça nous sera très utile. Voilà, je pense que c'est une bonne première vidéo. Je réfléchis si je vous montre en deuxième vidéo et qu'on va essayer d'atteindre cette planète. Ou pas. C'est pas exactement le même logo que sur le tuto. Du coup, voilà. Je réfléchis si je le mets en vidéo ou si je le fais qu'en live. Ah bah, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'oxygène. Tout va mal sur cette station. À bientôt.